suis un peu ému car c'est un aboutissement d'une très longue histoire dans, je dirais, dans l'histoire de Clarins. Ça a commencé avec mon père qui, lorsqu'il a créé les laits démaquillants, qui étaient dans les premiers produits dans les années 67-68, les appelait aux herbes des Alpes. C'était sa vision, c'est-à-dire que c'est extraordinaire de voir qu'il avait déjà eu cette prévision de sentir que les Alpes, par leur pureté, pouvaient nous apporter des produits à la fois très efficaces et très sains et naturellement très bio. L'histoire d'amour a continué et on a eu la chance, lors de la création de notre ligne de maquillage, de mettre comme emblème un papillon. Ce papillon a fait que j'ai reçu une lettre du prince Aga Khan qui me disait « Savez-vous que le papillon est le fragile témoin de la qualité de l'air que l'on respire? Si vous voulez en savoir plus, téléphonez-moi. » Naturellement, je l'ai appelé. Et là, je suis tombé sur un homme qui avait la même vision que nous, c'est-à-dire qu'il fallait protéger les Alpes. Et il a mis toute sa fondation à nous aider à acheter des terrains pas loin d'ici, au reposoir. On a participé à la réintroduction du gypaète barbu. À l'époque, il y en avait 7-8. Aujourd'hui, on en compte plus de 120. Donc pour nous, c'est aussi une très grande fierté d'avoir réintroduit cet animal qu'on a de plus en plus le plaisir de voir. Il est facile à reconnaître, il est majestueux, il est énorme. Il y a beaucoup de relations qui unissent Clarins et les Alpes, et ce sont des relations qui sont anciennes. Il y a eu le soutien à AlpAction il y a plusieurs années. Il y a le soutien aussi à Aster, tout le programme Aster, le travail auprès des gypaètes. Et effectivement, il manquait la partie production et la partie valorisation des plantes de montagne. Un jour, on s'est dit, qu'est-ce qui fait la qualité d'un produit de beauté? La qualité d'un produit de beauté, c'est un tout petit peu comme la cuisine, c'est la qualité de la matière première. Aujourd'hui, c'est une continuité d'avoir notre propre domaine pour pouvoir cultiver nos propres plantes d'une façon extrêmement saine pour la nature. C'était un tout petit peu un rêve qui est abouti au domaine Clarins. On a une bonne terre, un bon ensoleillement, un microclimat qui est dû à cette montagne qui se réchauffe et qui protège l'ensemble de l'environnement. On a choisi ce terrain qui est exceptionnel justement pour y valoriser les plantes. Ici, on parle toujours de laboratoire vivant puisque c'est un théâtre en fait. On met les plantes quelque part, on les remet en scène et donc on les observe et on fait en sorte de laisser les unes avec leurs copines parce qu'elles s'y plaisent. On s'adapte en fait, on s'adapte à cet espace qui est une prairie naturelle quelque part. Allez, rentrons dans le domaine. Voilà, on rentre dans le domaine avec des plantes qui sont depuis un certain temps de chez Clarins. Donc vous avez des rhodioles qui sont adaptées justement au climat froid qu'on va retrouver dans la zone sibérienne, etc. Donc ça, c'est des plantes de terre froide. À côté, vous avez la sanicle, qui est une plante qu'on va retrouver en terre moins froide, mais qu'on a mise ici justement pour voir comment elle s'adapte à l'altitude. C'est une plante cicatrisante, voilà, dans la tradition. La sanicle sert justement à tout ce qui est soin des plaies et des fractures. C'est-à-dire que là, ici, on est vraiment dans un laboratoire vivant. C'est-à-dire qu'on fait de la production, mais une production fine. C'est-à-dire qu'on est sur la production très proche de la recherche scientifique et on souhaite optimiser un maximum ce que l'on observe sur le terrain. On est dans une démarche avant tout scientifique pour avoir des produits de haute qualité. Vous voyez, il y a un papillon dessus, justement. Le papillon, elle adore ces œillets-là, qui sont minuscules. Et ça, c'était une plante qui était vulnéraire, qui était là pour donner un coup de pêche. Un coup de fouet. Un coup de fouet. Donc, elle rentre dans les chartreuses, justement, d'à côté, ici. Puis ça, c'est l'herbe de bison, alors que tout le monde connaît. L'herbe de bison était utilisée sur toute la zone Sibérie et Amérique du Nord. Donc c'est une plante qui va assainir, qui va détendre, qui va aussi, évidemment, soigner. Quand vous dites assainir, elle pourrait un peu purifier. Elle était autrefois utilisée pour purifier l'air, mais de façon symbolique. Et d'ailleurs, quelquefois, on l'appelle sauge. Elle n'a pas grand-chose à voir avec la sauge que l'odeur, une bonne odeur. Chez Clarins, soucieux de développement responsable, justement, on ne va pas utiliser toute la plante. On va prendre que la partie qui nous intéresse au moment opportun. Le matin, on fait les cueillettes de façon à prendre la plante là où elle est bourrée de principes actifs. Et après, on ne va pas laisser sécher au soleil parce que le soleil détruit tout. Et justement, les plantes, là, elles ne sont plus en activité pour se défendre du soleil, donc on va les sécher à l'ombre. L'objectif est de sécher le plus rapidement possible de façon à ce que les enzymes ne puissent pas détériorer la plante et soient, au séchage, détruites. On les remue sur la claie délicatement au moins 2 fois par jour. On a des bonnes plantes qui sont séchées, elles sentent bon, elles sentent bien comme le foin des montagnes, si on veut.
Donc on sait exactement comment vont être tracées les plantes du début jusqu'à la fin, parce que tout simplement on est scientifique. Donc tout travail scientifique demande un maximum d'observations, de collecter cette information-là, de façon à pouvoir y faire référence au moment où on en aura besoin. Clarin souhaitait qu'on ait un milieu qui soit le plus pur possible, qui soit le plus proche possible des valeurs de chez Clarin, c'est-à-dire faire en sorte qu'on travaille avec la nature, qu'on fait tout, évidemment, pour ne pas la détruire. Nous avons ici aucun matériel motorisé, car nous avons tenu pour retourner la terre, mais d'une façon très douce, à utiliser des chevaux. Il était hors de question d'avoir un tracteur qui vienne polluer cette atmosphère. Le fait de travailler la terre en douceur, de la respecter, puisqu'au fond, c'est vrai qu'un cheval va nous aider à labourer, mais le premier laboureur, c'est le ver de terre, donc il faut le protéger pour avoir une terre saine. Le terrain n'a pas subi de profanation quelque part chimique. À ce moment-là, effectivement, on a tous les insectes qui sont là, compagnons des plantes. Peut-être qu'ils sont moins compagnons des plantes, mais justement, tout ça, ça vit et ça prospère. Et ça fait en sorte que les plantes développent des actifs vraiment formidables que nous testons au laboratoire de recherche Clarins et que nous espérons mettre de façon la plus concentrée possible dans nos produits. Tout ce qui se passe au niveau de la culture et après de la fabrication doit respecter l'environnement. On fait des extractions, ce qu'on appelle propres, par des techniques, ultrasons, micro-ondes, des solvants verts et d'autres méthodes. Comme ça, on a un extrait pur. Nos experts en phytochimie nous permettent d'analyser molécule par molécule cet extrait. On aura construit notre ingrédient, nos molécules, en préservant au mieux l'environnement. Notre désir aussi d'être une société qui respecte l'environnement nous entraîne à trouver d'autres méthodes encore plus propres. L'innovation, aujourd'hui, se doit de passer par le développement responsable. La nature, déjà, est un lieu d'observation extraordinaire d'un point de vue scientifique. Et nous, on va effectivement observer et après essayer de joindre la tradition avec la réalité biologique de façon à avoir optimiser l'ensemble des productions, effectivement, de chez Clarins. Alors, une partie des plantes que vous voyez là servent aussi pour nous au niveau pédagogique, c'est-à-dire que ce jardin-là est un support important puisque c'est comme tout jardin botanique, d'une certaine manière, on rassemble dans un lieu énormément de plantes qui vont être disséminées dans la nature. Le domaine Clarins, c'est un résumé de toute la philosophie et la stratégie du groupe Clarins. Car c'est faire mieux, faire plus et aimer le faire. On fera encore mieux, si vous voulez, dans la connaissance et dans la qualité des plantes. Et on aime le faire parce que protéger la nature, c'est une vision qui appartient au groupe et je crois qu'on est extrêmement bien réussi ici. On est dans un lieu idéal, avec cet ensoleillement, cette protection, le bras du feu, c'est-à-dire qui nous protège et qui nous amène de la chaleur, qui nous permet, si j'ai bien compris, d'amener des plantes qui poussent parfois plus haut, mais aussi des plantes qui poussent parfois plus bas, de façon à avoir un jardin pédagogique qui nous permet d'étudier, un laboratoire à ciel ouvert, et au fond, ça nous permettra surtout d'avoir le meilleur endroit, on le voit, pour avoir les meilleurs produits. Absolument.